Et toi, tu as commencé à quel âge? Moi, j'ai commencé à 19. À 19? Mais la première fois que je suis monté sur scène, j'avais complètement oublié. Puis l'autre fois, en parlant à quelqu'un, j'ai réalisé que vers 16 ans, j'avais fait un show. Mais c'était dans un... Je sais même pas comment j'ai fait rentrer dans le bar. Ben, je sais comment. Là. Mais légalement, j'avais pas le droit de rentrer dans le bar. Mais c'était... J'avais des amis qui jouaient dans un petit bar à Québec. Et c'était des musiciens. Ils m'avaient demandé, est-ce que tu viendrais faire notre première partie? J'avais dit oui. J'avais fait trois minutes. Mais t'avais déjà du matériel d'écrit. Moi, depuis que j'ai 14-15 ans, j'écrivais. Mais je ne l'avais jamais montré à personne, sauf un de mes amis qui était guitariste dans le groupe. Il m'avait demandé, tu veux-tu le faire? Et j'ai aucune idée comment ça a été. Et je pense que ça a vraiment mal été. Parce que c'est un blackout total. Je me rappelle de m'être rendu au bar. Je me rappelle d'être rentré. Je me rappelle de leur spectacle. Mais je me rappelle de rien. Zéro de ce que j'ai tu dis. J'ai aucune idée. C'était dans le déni, quoi, vraiment. Le ouais, déni, non, c'est ça. C'était peut-être vulgaire. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que c'était vulgaire. C'est pas. C'est sûr. Non, mais je pense, pour vrai, ça doit avoir... Je vois ce que tu fais sur scène et je me dis, à 16 ans, ça devait être bizarre, tu vois. Non, non, à 16 ans, ça devait être dégueulasse. Les jokes pédophiles. Les jokes de viol à 16 ans. C'est... Mais... Wow. Mais mes jokes, c'est ça. J'ai l'impression, par exemple, t'sais, vu que moi, t'sais, même quand j'ai rencontré Martin, moi, à 19, j'avais de l'air de 12. Ouais. Fait qu'à 16 ans, mes jokes de pédophile, le monde devait faire « Ah, oh, pauvre lui! » Il l'a vécu. Pauvre lui! Sauve-toi, petit garçon!